Bonjour à tous et bienvenue sur les petits vlogs à vélo. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième podcast. Et j'ai la chance de ne pas être seul pour enregistrer ce second podcast. J'ai la chance d'être avec Séverine. Comment vas-tu? Bonsoir Tony, écoute, ça va bien. En week-end, ça c'est top. Donc, que demander de plus? Le soleil! Le soleil, ouais, c'est ça. C'est ce qui nous manque, le soleil. On a marre de la pluie. C'est ça, exactement, parce que ça nous empêche de sortir à vélo. Donc, on va parler du sujet du podcast. Pour faire court, j'ai décidé de le nommer Vélo et Asso. Voilà. Je sais pas si on peut résumer ça comme ça, mais vous allez voir que il y a du fond dans ce qu'on va dire ce soir. Donc, Séverine, moi, les auditeurs me connaissent un peu. Toi, si tu veux, en quelques mots, je te laisse te présenter. Alors, moi, je suis cyclote de l'Oise depuis 14 ans. Je suis originaire de Limoges et je travaille à Paris. Je travaille dans la pub. Voilà. Je fais donc du vélo au sein d'un club, le Cyclo-Origeois, où il y a une équipe un peu plus de 40 personnes. On est partagé en deux groupes, ceux qui vont vite et ceux qui prennent le temps. Les D'accord. cyclotouristes. Bon, bah, Voilà. du coup, on leur fait une dédicace, hein? Oui, un petit coucou au passage. Voilà. Donc, t'es une cyclote qui prend son temps. Alors, j'aime beaucoup déjà le terme cyclote. Déjà, c'est bien trouvé. Oui, bien, c'est sympathique. Donc, tu prends ton temps. Donc, c'est quoi ton rapport au vélo? C'est quoi ta pratique, on va dire? Et ça fait donc 14 ans que je suis au club Cyclo-Origeois. J'ai commencé par le vélo de route. On est une équipe de 45 personnes et donc je roule essentiellement le week-end parce qu'en semaine, pas le temps. Et que la majorité du club est retraitée. Donc ils roulent plutôt la semaine. Mais moi, j'arrive quand même à me faire quelques sorties les week-ends. Voilà. Je me suis fait plaisir il y a 14 ans en achetant mon premier vélo de route, ce qui est un Pinarello auquel je tiens énormément et avec lequel j'ai fait plein de choses, dont l'Ardéchoise à deux reprises. Il m'a emmené faire des jolis tours, à découvrir un peu la France sans bagage. Et puis l'année dernière, je me suis dit, bon allez, on va le laisser à la retraite, on va le garder pour le home trainer, pour l'hiver et les mauvais jours. Et je me suis fait plaisir pour un trek avec une petite transmission électronique, voilà, Ouais. et avec électrique, Électronique, électronique, électrique, c'est chronique. pas. Moi, je dis un vélo Oui. électrique et transmission électronique. Ouais. Alors avec transmission électronique, voilà. Il n'est pas électrique, pas encore, puisque mes jambes me portent encore. Donc voilà, donc c'est lui qui m'accompagne aujourd'hui sur les routes. Et puis en troisième vélo, je fais du chemin. J'ai un gravel Scott avec lequel donc bah oui, je fais un peu de chemin, pas de VTT, du chemin. Donc voilà, tranquille, du chemin tranquille, parce que moi je ne suis pas adepte des prises de risques. Et puis aussi, il me sert comme vélo de voyage, voilà, comme vélo de voyage. D'accord. Depuis maintenant 2019. Oui, Bon, quand c'est même, ça. tu as quand même trois pratiques de vélo différentes, donc tu es quand même une cycliste aguerrie et complète. Oui. Si je pouvais en faire plus souvent, ça serait super. Ouais, ça, on l'aimerait tous. Moi, je passerais ma vie sur un vélo. Mais bon. Vivement la Ouh. C'est ça. Donc tu roules en club, tu fais pas mal de sorties, tu multiplies les pratiques. Et donc qu'est-ce qui t'a amené justement à dire, bah tiens, j'ai un petit goût de voyage là, comme t'as dit, t'as parcouru la France sans bagage, et là t'avais envie de parcourir la France avec bagage. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Et ben en fait, donc en janvier 2020, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Et donc toute l'année a été traitement, opération, etc. Et en même temps, il y avait le Covid, d'ailleurs. Et puis pour me changer les idées, je suivais sur les réseaux des personnes qui avaient fait des voyages à vélo.
Et ça m'a vraiment, vraiment donné envie de faire la même chose, mais en partant pour une bonne cause. Et voilà. Et dès que j'ai pu reprendre le vélo, c'est-à-dire le 17 juillet, ça je me souviens, 17 juillet 2020, j'ai fait mes premiers 15 kilomètres avec un membre du club et c'était reparti et voilà. Et le vélo, c'est un sauveur. Pour moi, ça a été vraiment la petite bulle de bonheur voilà, ouais. De reprendre un peu toutes mes petites habitudes. Ouais. Donc voilà, et j'ai dit, bon, maintenant, je vais m'entraîner pour partir avec des balises et en autonomie. Voilà, avec ce que j'avais dans le sous-sol pour pouvoir partir, surtout. Bah oui, quand c'est comme ça au début, c'est vrai que trouver l'équipement qu'il nous faut, nécessaire, bah on va chercher les infos sur Internet, hein, évidemment, mais on se fait aussi et essentiellement avec ce qu'on a, parce que ça peut vite coûter un beau billet. Mais donc déjà, t'avais déjà le vélo pour ou il a fallu que tu l'achètes J'avais pas le vélo, donc le gravel est intervenu à ce moment-là, comme ça. Ouais. J'ai cherché un vélo qui passe un peu partout et qui puisse m'accompagner aussi pour un vélo de voyage. Moi, j'ai opté pour un gravel alu. Je voulais quelque chose pas trop lourd et quand même costaud et qui puisse supporter justement du poids. Le poids des bagages, ouais. Exactement. Donc, ton cheminement pour partir en voyage, donc tu t'es dit... Bon, bah maintenant que j'ai la capacité, et félicitations à toi pour ta rémission, et on aime tous que ce soit comme ça, hein, avec, voilà. Oui, c'est potable, tout le monde, ça. Voilà. On le souhaite, oui, voilà. Et en plus, là, c'est octobre, justement, octobre rose, donc le cancer du sein, c'est, voilà, il fallait qu'on en parle, et c'est un sujet aussi qui me tient à cœur, parce que ma maman en a eu deux. Voilà, elle l'a eu à un an d'intervalle, les deux cancers. Voilà. Elle a réussi aussi à s'en remettre après une longue bataille, mais elle a réussi. Et donc, c'était important ce soir d'en parler. Et on va pas s'arrêter là. On va en parler plus profondément après. On revient un petit peu sur le vélo. Et donc, après ça, tu décides de voyager. Et en fait, comment t'es venue l'idée de voyager ? Est-ce que tu avais, par exemple, une destination rêvée, un endroit absolument que tu voulais voir ? Et tu t'es dit, bon, bah, allez, hop, ça y est, je me lance, quoi. Alors, en fait, j'ai des amis qui sont en Espagne. Et j'ai dit, ben, j'aimerais bien relier un point que j'aime bien jusqu'à au moins la frontière espagnole. Pas jusque chez eux, parce que c'est loin et montagneux et que j'en avais pas les capacités. Mais en fait, comme j'adore l'océan et que j'ai de la famille qui habite vers Royan, le départ, ça a été Royan et on a allongé toute la côte atlantique jusqu'à Irun. Et ça a été un vrai bonheur pour moi parce que, en plus, moi qui adore faire de la photo, je me suis régalée aussi par la même occasion. J'imagine, voilà. Ouais, j'imagine. Donc, départ de Royan jusqu'à Irun, en Espagne. Donc ça, c'est ton premier voyage. Oui, et aller-retour. Aller-retour, ouais. D'accord. Ok. Donc, d'autant plus, voilà, pour un premier voyage, t'as pas fait les choses à moitié. Et normalement, à l'origine, on devait passer par l'intérieur des terres au niveau de la Scandibérique. Et le souci, c'est que début octobre, septembre, début octobre, beaucoup, beaucoup de campings sont fermés. Donc, par précaution, on a pris la côte. Je dis on parce que j'étais partie avec un ami cyclo qui s'appelle Dominique. Et on a repris, en fait, le même itinéraire avec quelques petites différences. On a fait découvrir un peu plus certains coins. Mais comme ça, ça nous a permis d'avoir des campings ouverts et voilà. Ouais, c'est vrai que hors saison, c'est vrai que s'éloigner des itinéraires, hein, c'est vrai que hors saison, s'éloigner des itinéraires les plus touristiques, bah, c'est aussi prendre un risque de pas forcément trouver d'hébergement. C'est
C'est ça, surtout. Enfin, après, suivant le budget que tu as, mais on n'avait pas on n'a pas un budget extensible, donc on préfère. Et puis en plus, on préfère vraiment rester au plus près, enfin, camping, en autonomie pour déjeuner, pour dîner. Donc voilà, c'est un peu le principe. Le voyage à la dure, ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, ça fait partie de l'expérience aussi, hein. Voilà, c'est aussi une façon de se dépasser aussi en se disant, est-ce que la nuit va être bonne? Est-ce que ça va pas être trop galère pour monter la tente à cause du vent? Est-ce que ça. Voilà. Ça fait vraiment. Ça forge le caractère du voyageur. Voilà. Plus Bah, que moi, de ça se dire, m'a. le soir, on est dans un dur. Avec Oui. un bon bain chaud qui nous attend, bon. Bon, je ne dis pas que les jours de congé, les petits jours de repos sont attendus pour ce genre de choses, pour une bonne douche chaude, être tranquille. Mais oui, enfin, en tous les cas, moi, j'ai appris quelque chose, c'est comment monter une tente, parce que pour moi, je n'avais jamais fait de camping avant. Donc, ça a été une première sur plein, plein de choses. Et je reviendrai jamais en arrière. Et j'allais dire, moi, mes vacances, parce que bien évidemment, c'est sur mes congés que je prends ces journées. Non, je n'envisage pas ne pas partir à vélo pour des vacances. Voilà, c'est mes meilleures vacances. Ouais, on est beaucoup comme ça. Donc, comme tu l'as dit, tes voyages, donc tu fais tes itinéraires en fonction des coups de cœur, en fonction de tes envies, des endroits que tu as envie de voir. Et Exactement. tu nous l'as dit aussi, tu ne le faisais pas pour rien. Tu le fais pour la bonne cause. Oui, exactement. Exactement. Bah effectivement, sur les trois. Bah en fait, ça fait 3 ans maintenant. Je pars pour une association qui s'appelle Rose Up. C'est une association en fait nationale d'intérêt général, hein, agréée par le ministère de la Santé, qui, moi, en tous les cas, m'a beaucoup aidée dans mon parcours en 2020 et après. En fait, ils informent, ils accompagnent, ils défendent les droits des femmes touchées par le cancer, par tout type de cancer, je précise bien, parce que ce n'est pas uniquement le cancer du sein, et ça, c'est très important. Et pour ma part, en tous les cas, j'ai trouvé un soutien. Parce que j'avais besoin d'être accompagnée. Ils m'ont informée. J'ai pu poser plein de questions lors de conférences, de webinaires, parce qu'en 2020, bien évidemment, tout était à distance. Ils ont tout adapté. Ça, c'était vraiment, vraiment top. Vraiment. Et puis, en plus, le must, c'est qu'il y avait il y a plein d'ateliers auxquels j'ai pu participer. Il y a des ateliers d'esthétique, de réflexologie. Des exercices de kinésithérapie, de la sophro, et aussi des ateliers un peu plus, on va dire, pas ludiques, mais culturels. Je crois qu'il y avait du tricot. Moi, je sais que je me suis inscrite à des ateliers de cuisine. Moi qui adore cuisiner, je suis super gourmande, donc et ça tombait Ça vraiment tombait super bien, bien. ouais. J'ai passé d'excellents moments, vraiment, vraiment. Et en plus, on a bien mangé après, à la maison. Donc voilà, c'est une asso qui est à votre écoute, enfin oui, à votre écoute, qui est bienveillante et vraiment sur ce tunnel. J'allais dire un tunnel parce que il est long, mais mine de rien, c'est des traitements lourds et c'est une bulle de bonheur, de légèreté et qui te fait t'évader et comprendre. Comprendre un peu plus bah, les démarches que tu as à faire, pourquoi le corps réagit tel qu'il le fait, etc. Vraiment, enfin, je sais que l'association m'a ouvert, on va dire, la porte et m'a aidé énormément, vraiment. Un grand soutien. Donc, C'est pour ma part, ben. Bah, vraiment une association qui est, comme tu l'as dit, d'utilité publique et qu'il faut soutenir.
Parce que j'imagine que nous, en tant qu'aidants, par exemple, une personne malade, est-ce qu'on peut aussi contacter cette association pour avoir une réponse à des questions, peut-être aussi une réponse à des inquiétudes? Donc, est-ce que Rose Up, par exemple, peut aider aussi les aidants? Alors, oui, effectivement, ils peuvent intervenir, en tous les cas, guider les aidants à leur chemin, enfin. Oui, Je sais pas. à aider pour les documents, les choses comme ça. Oui, exactement. D'accord. Ouais, voilà. Et plus, hein, et bien plus, hein. Après, il y a toute. Aujourd'hui, ils ont lancé pour la journée. Enfin. La semaine dernière, justement, une application spéciale aidant. Donc, il faut pas hésiter à aller voir parce que je pense que ça peut être d'une grande aide, que ça soit pour les aidés et les aidants, vraiment. Je sais qu'ils viennent juste de commencer, donc ça peut être vraiment d'une aide Pour beaucoup de personnes. pour beaucoup de personnes, exactement. Ouais. Et souvent, les gens qui sont autour de nous savent pas forcément comment s'y prendre ou etc. Donc eux, ils ont une approche complètement différente pour justement les informer. C'est ça. C'est vrai que nous, en tant qu'aidants, c'est vrai que la psychologie d'un malade, elle n'est pas toujours facile à percevoir, à appréhender. On a peur de faire des bêtises. C'est vrai que d'avoir un petit coup de main là-dessus, ou même pour remplir un formulaire, ou une demande auprès de la sécurité sociale, c'est vrai que c'est bien d'avoir accès à une écoute, à une aide. On n'a pas, malheureusement, de la part de l'État. C'est ça. En plus, les hôpitaux, ils n'ont pas forcément le temps d'expliquer tout ça. Donc, oui, c'est un très très bon relais. Voilà. Et on mettra tous les liens en description. C'est gentil, c'est gentil. Parce que eux, vraiment, ils méritent vraiment ce soutien. Et c'est pour ça que l'un de nos périples, enfin les périples, les trois périples que j'ai faits, les cagnottes, en fait, elles ont servi surtout à poursuivre les projets que Rose Up souhaite faire et surtout à maintenir tous les ateliers qu'il propose. Parce qu'il y a deux maisons Rose Up, il y en a une à Bordeaux et une sur Paris. Et c'est vrai que on peut se déplacer, il y a des ateliers, les ateliers peuvent être à distance ou en présentiel. Donc ça, c'est très important parce que de n'importe où en France, on peut suivre les interventions, etc. Donc ça, c'est chouette. C'est voilà, il n'y a pas, ce n'est pas réservé que Ou dans dans un cette giron, ville. ouais, voilà. Exactement. Voilà. Bah ouais, Donc ça, c'est... c'est important à savoir. Voilà. Donc il faut donner. En plus, il y a une partie qui est déductible des impôts. Ça, c'est toujours bon à savoir. Et puis, c'est surtout que ça aide énormément de femmes atteintes de cancer. Voilà. Ouais. Pourquoi est-ce si important de collecter les fonds? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Bien sûr, oui, bien. Tout d'abord, l'association a besoin de dons pour justement faire perdurer les ateliers que je vous ai cités, auxquels j'ai eu droit, grâce d'ailleurs aux dons des personnes et effectivement. Aussi faire de nouveaux projets comme ils ont pu lancer pour les aidants, l'application pour les aidants cette année. Voilà, c'est vraiment important. Et l'important, c'est pas la somme, mais c'est de le faire suivant les moyens de chacun. Et ça aide des personnes incroyables. Et voilà. Et donc, dont moi, ça m'a aidé et ça aidera plein d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas. Si vous pouvez, n'hésitez pas. Est-ce que tu peux, C'est important. par exemple, nous donner une estimation de ce que peut coûter un atelier à l'association? En fait, alors pour un intervenant qui est là pour 1 heure par exemple de cuisine, c'est peut-être 30 euros. Et donc 30 euros, ben si quelques personnes donnent 5 euros, même 5 euros, et ben on fait de jolies choses à la fin et ça apporte que du bonheur à plein de personnes derrière. Voilà.
du soutien, l'envie de un peu s'évader pendant quelques pendant cette heure-là pour éviter de penser à au ce combat et à la maladie, ce long chemin de maladie. Exactement. Donc, 6 personnes qui font un don de 5 euros, c'est une heure de bonheur pour une personne qui se bat contre la maladie. Exactement. Et pas qu'une heure. Alors, une heure de bonheur, pour c'est des groupes d'une dizaine de personnes. Donc, en fait, ça peut... enfin, une dizaine pour l'acuité en tous les cas, mais sur d'autres activités, c'est un peu plus. Donc, ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Voilà. On vous rappelle que la cagnotte est encore ouverte actuellement si vous voulez déposer un don. Hein. Je te laisse en parler. Exactement. En fait, la cagnotte, aujourd'hui, elle a atteint 91%. On est presque arrivé à l'objectif. Hein. Et oui, effectivement, elle est ouverte jusqu'à fin octobre. Tout octobre rose. Voilà, pour bien finir les choses. Allez, je compte sur vous. Merci à vous. Merci, merci. Allez, je compte sur vous, la communauté. Ouais, 9%, on peut le faire. Sachant que, indirectement, vous, gens de la communauté, vous y avez participé indirectement grâce à la monétisation de la chaîne YouTube du mois de septembre que j'ai décidé de reverser à l'association. Voilà. Et oui, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'association aussi, d'ailleurs. Écoutez, chers auditeurs, hein, si ça vous dit, si le cœur vous en dit, si après tout ce qu'on vous a dit là, vous avez envie de donner, voilà, je vous laisse le lien en description, donc n'hésitez pas, et tous les dons, même le plus petit, sont les bienvenus. Oui, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Exactement. Allez, on va parler... on va changer de sujet si tu le veux bien. Toi, de ton côté, côté vélo, alors, ça va être quoi tes futurs projets ? Oh là là, vivement l'année prochaine. En fait, j'avais envie de faire une traversée entre deux villes qui sont le Luxembourg et Genève, relier en fait ces deux villes-là. Parce que c'est des territoires que je connais pas très bien. D'accord. L'Est de la France, je connais pas bien et je trouverais ça intéressant de pouvoir découvrir déjà le Luxembourg et puis un peu la Suisse, parce que c'est vraiment deux pays. En plus, il y a un peu plus de volume, donc ça me fait. Il va falloir que je m'entraîne un peu plus, mais voilà un peu l'objectif pour l'année prochaine. Ça serait vraiment super. Donc il va falloir que tu commences à manger du dénivelé, parce que je pense dans ces régions-là. C'est ça. Il va falloir que je trouve des bosses. Ça me paraît pas mal malonné. Et dans l'Oise, il y en a pas beaucoup beaucoup, mais Limousin par contre, en Limousin ça va. Donc les vacances en famille risquent d'être sportives. Ouais. Sur les routes, exactement. C'est cool. Donc, tu fais la route Lamborghini-Rolex, on peut appeler ça comme ça. Aussi, oui. Donc ça, c'est un de tes projets. Donc, est-ce que tu repartiras sur une cagnotte ? Est-ce que tu repartiras en... est-ce que tu repartiras en bikepacking ou est-ce que tu voudras changer ta manière de voyager avec plus des étapes en dur ou des choses comme ça ? Est-ce que tu voudras suivre des itinéraires comme des euroroutes ou est-ce que tu voudras plutôt faire ton propre itinéraire à travers la pampa française ? Généralement pour me sécuriser, je préfère emprunter les véloroutes ou routes à faible circulation. Parce que l'année dernière, il m'est arrivé des petites bricoles, on m'a renversé. Et donc, pour ma sécurité, je préfère suivre ces itinéraires-là. Après, s'il faut faire des petits détours par chez des amis, la famille, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais ça sera toujours avec... Alors, bikepacking, moi je suis pas en bikepacking, hein, parce que je suis en 25 kilos sur le vélo. Donc, j'ai ma tente, j'ai la nourriture.
Enfin, j'ai tout pour être autonome, donc en fait, c'est plus que du bikepacking, en fait. Hein. C'est vraiment Ah. un vélo bien chargé avec lequel je pars. Voilà. D'accord. Mais bon, bikepacking, ça sera sur un week-end. Ouais, C'est c'est pas mal, ça. ça. Bah, tu sais, tu veux t'entraîner à faire du dénivelé, comme t'as dit, voilà, tu veux partir un week-end dans le Limousin, tu charges tes sacoches, et puis tu prends juste ta petite tente, et puis juste un change pour le lendemain, et pof, hein, c'est parti, Voilà, hein. exactement. J'évite de mettre des pierres dans les dans les sacoches. Ouais, ça, c'est les entraînements à l'ancienne, ça. Ouh là là. Oui. Ouais, j'avais un entraîneur, moi, quand je faisais en club, quand j'étais plus jeune, il nous mettait des sacs à dos avec des bidons d'eau dans le dos pour qu'on progresse, alors qu'en fait, on s'épuisait plus qu'autre chose. Bon. À l'ancienne. À l'ancienne, voilà, c'est ça. Donc, du coup, Voilà. donc là, pour ton futur voyage, t'aimerais bien partir avec quelqu'un, quoi. Donc, t'aimerais bien trouver Oui. quelqu'un. Après, je cherche juste quelqu'un qui pourra se mettre à la hauteur de mes capacités. Ça veut dire que accepter que ben, ce jour-là, ben, ça aille moins et donc on va aller à 16 km/h et le lendemain on peut aller à 19. Enfin, tu vois, c'est s'adapter l'un à l'autre. Bah, tant que voyageur ou même en tant que cycliste, t'as de la bouteille maintenant. Est-ce que tu aurais des anecdotes rigolotes ou pas, hein, c'est comme tu veux, à nous raconter sur ce que tu as vécu ces dernières années à vélo? Alors, une anecdote, oui, j'en ai plusieurs, j'ai même des bons, j'allais dire des bons coins pour dormir, ça, ou manger d'ailleurs, mais Ah, cool, bah, ouais. Si t'as des bons plans aussi, on est preneur, voilà, hein. c'est ça. Alors en fait, il y a l'année dernière. Alors l'année dernière, après mon accident de vélo, donc ça qui s'est passé à Rochefort, on était un peu dans les marais. Bon, on a réussi à sauver une petite tortue qui se baladait sur le bitume, alors, sur un petit chemin bah, assez passant, non loin du pont de Rochefort. Et donc on l'a remis à l'eau. En plus, elle était à peine visible. Elle était quasiment de la même couleur que le bitume. Donc un coup de chance enfin, que j'ai eu les yeux qui se portent sur elle. Et voilà, on a été la remettre à l'eau dans la petite rivière juste à côté. Ouais, c'est Voilà, mignon. c'était. Oui, c'est mignon. Ouais, c'est très sympa. Moi, je peux t'en raconter une là dernièrement. Mon dernier voyage, qui malheureusement s'est arrêté au bout de 3 jours, hein. Je me mets à un spot de bivouac que j'avais repéré depuis très longtemps. J'étais sûr que j'allais pas être dérangé, que personne n'allait venir. Et au moment où j'ai déplié la tente et que j'ai mis les piquets dans le sol, on m'a dit de dégager. En mince. J'étais dans un abri, enfin j'étais dans un endroit où j'étais à l'abri du vent, derrière une dune, côté de la mer. J'étais dans un endroit super spot, le pur spot pour le bivouac sauvage, tu vois. Et bah, tu te dis, il y a personne à 5 km à la ronde. Mais si, il y a quelqu'un qui passe là. Et qui te dit, dégage, sinon j'appelle les flics. Tu dégages, tu vas un peu plus loin en espérant que bah, ils ne reviennent pas faire un tour. Il revient pas faire un tour, mais l'endroit que j'ai choisi, il est plus à l'abri du vent. Donc toute la nuit, j'ai dû bagarrer pour pas que ma tente s'envole. J'ai dormi 3 heures avec des boules caisses en papier toilette pour calmer le bruit du vent parce que la tente, elle partait dans tous les sens. Voilà. Ça fait des Non. souvenirs. Ça fait des souvenirs. Ah mais si, alors, tu vois, de parler de ça, ça me. J'en ai une, je me souviens, ça y est. Parce que météo, orage, etc. Il fallait trouver un point de chute à l'abri. En camping, c'était pas possible. Enfin, de planter, vu ce qu'ils avaient annoncé, c'était pas possible. Donc, on est allé dans un camping un peu à la ferme. Et ils avaient rien, mais vraiment rien pour pouvoir, enfin, pas d'emplacement à l'abri. Et tout d'un coup, ils ont pensé qu'ils avaient un préau où les personnes, en fait, étendaient leur linge. Et en fait, on a planté nos tentes sous le linge étendu
des personnes qui étaient au camping. Voilà. Et comme c'était dans un coin, on a été vantés tout comme toi. Mais ça a été un truc de folie à tenir pendant des heures l'attente pour dire « Oh là là, on va s'envoler. Et comment on va s'en sortir et pour être vivant le lendemain matin ?» Parce que vraiment, c'était affreux. Il y avait de la grêle, de l'orage. Et on était au mois de juin, donc voilà, c'était pas une mauvaise saison. Voilà. Oui, ça aussi, ça fait partie du voyage à vélo. Oui, c'est ça, les nuits blanches à tenir la tente, parce que, bah voilà, on a peur que ça s'envole. Mais non, puis généralement, après, ça se calme jamais avant 5-6 heures du matin. Et toi, tu te dis, bah tu dois reprendre la route à 8 heures, parce que t'as 100 km à faire dans la journée. Donc... C'est l'aventure, on l'a dit au début, c'est l'aventure. C'est l'aventure, exactement. Ah, mais le coup de planter la tente sous les petites culottes de l'hôte, c'est sympa aussi. Je sais, les glottes, il y avait... Ah, c'était marrant. Au moins, ça sentait bon parce que ça sentait la lessive. Voilà un avantage. Voilà. Ouais. Donc on l'a dit, donc toi, t'es plus... tente, voilà. Est-ce que ça t'arrive des fois, de temps en temps, de dire, bon, allez, aujourd'hui, j'en ai marre, j'ai passé une mauvaise journée, je me prends, genre, un B&B, ou je réserve une chambre d'hôtel, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Alors, en fait, ça m'est déjà arrivé, surtout quand on regarde la météo, hop, on se dit, oh là, il va pleuvoir, bon, ce soir-là, on va se mettre à l'abri, en dur, et donc, soit on essaye, soit au camping, ils proposent des solutions pour cyclistes à l'abri. Des fois, il y a des accueils vélos qui proposent des mobilhomes pour une nuit. C'est top. Mais ils sont super rares à avoir ce genre de prestations. Soit, et bien effectivement, on cherche une chambre soit chez l'habitant ou un Airbnb. Et ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, le mois dernier, on a été à Nevers. Oh, parce que c'est pareil, ils avaient annoncé... La météo était terrible le mois dernier. Donc à Nevers, on s'est retrouvés dans un... Enfin, j'ai trouvé une super pépite. Moi, je dis une pépite parce que l'appart était génial. Et en plus, il y avait un garage. Donc, tu pouvais abriter les vélos, faire sécher les tentes qui s'étaient pris la pluie pendant la nuit d'avant, étendre un peu le matériel pour faire sécher tout ça. C'était top. Et les gens étaient vraiment adorables. Ils ont même nous acheter une bâche parce qu'il y avait des petites infiltrations dans le garage pour protéger nos affaires. Enfin, vraiment, top. Oh voilà. Oui, bah c'est adorable. ouais. Mais généralement, tu vois, on parlait de camping à la ferme, on parlait de choses comme ça. Tu vois, ça, c'est des gens qui accueillent de bon cœur et généreusement. Et moi, j'en ai le souvenir aussi. C'est une fois, je suis allé... C'est pareil, il y a des conditions météorologiques affreuses. Je me suis dit, je m'arrête là. Et c'était même pas un camping à la ferme. C'était carrément une ferme. J'ai dit, excusez-moi, est-ce que je peux vous prendre le petit bout de champ, là? Je ferai pas de vagues. Je n'effraierai pas vos vaches. Je veux juste poser ma tente, me foutre au sec et dormir. Et ben, je suis reparti le lendemain avec 2 kilos de pommes. J'ai dormi dans la chambre du fils. Et m'ont même offert le calva. Donc, c'est pour te dire. C'est sympa. Mais nous, franchement, cette année, on a fait des jolies rencontres. Et c'est marrant que tu parles de ça. Parce que le premier jour, quand on est arrivé, parce que cette année, on est parti du Croisic. On est arrivé au Croisic. On a fait quelques kilomètres pour arriver à la Baule les Pins. En allant à la boulangerie, je croise une dame en vélo. Pose son vélo à côté du mien et tout, puis elle voit le petit oriflamme, le petit drapeau que j'ai accroché au vélo, et elle commence à me papoter, etc. Écoute, on a été invités à dîner le soir, ils sont venus au camping nous chercher, et ils nous ont ramenés, on a passé une super soirée, ça a été génial, enfin voilà, en plus des gens extrêmement sympathiques, très accueillants, et à qui on a pu parler de l'association, parce que tout le monde a toujours quelqu'un, une connaissance, un ami, même dans la famille, touché par le cancer, et voilà. Et c'est un très beau souvenir de ce voyage de cette année, voilà. Il y a aussi eu
un cycliste acharné aussi sur la levée. Alors ça, c'était, je crois que c'était avant Tours, entre Nantes et Tours. Je me souviens plus exactement la ville. En tous les cas, c'était génial. Il nous a offert le café. Bon, alors nous, on n'a pas eu Calva, hein, ça me doit, mais voilà, on a pu parler. Et puis, bah, c'est son épouse qui était touchée par la maladie. Donc, en fait, ça a été top parce que j'ai pu lui parler ouvertement de mes problèmes et puis de l'aide que j'ai pu avoir et c'est top et on reste en contact. Ce qui est génial, c'est que voilà, ça me fait des nouveaux contacts. Donc c'est ça, c'est vrai qu'on n'insiste pas assez là-dessus. C'est vrai que quand on parle de nos voyages à vélo ou quand moi je vois d'autres youtubeurs partager leurs voyages, on parle du voyage, on parle de ce qu'on traverse, de ce qu'on voit, mais on parle très peu des rencontres parce que moi c'est mon cas. J'adore garder ça pour moi, c'est mon petit jardin secret, c'est mon petit trésor à moi, c'est à chaque fois les rencontres. Et c'est génial, parce que peu importe où tu vas, bon, tu vas tomber sur des gens qui ne sont pas toujours très gentils ou très accueillants, ou très, on va dire, tolérants avec les cyclistes. Mais, à contrario, comme toi, tu vois, tu reçois une invitation à manger parce que tu as papoté le bout de gras 5 minutes avec quelqu'un et paf, tout de suite ça a matché, un point commun, ton Oriflamme, voilà, l'association que tu défends. C'est ça, c'est les rencontres en fait. Et je trouve que réellement, moi qui est un peu le contraire de toi, je passe beaucoup de temps sur internet à regarder des vidéos, à voir ce que font aussi les collègues, et ben ça transpire pas assez. Bah, en fait, moi, je pense que j'ai un bon sens du contact et pour moi, c'est essentiel. La valeur humaine est vraiment essentielle et c'est vrai que je suis pas très réseau, je suis pas très branchée à tout ça, mais oui, la moindre possibilité de papoter, de faire de juste de vélo ou discuter juste de vélo. Tiens, faites de la route ou voilà, vous allez vers où? Vous partez pour combien de temps? Effectivement, l'asso, c'est une accroche pour parler, mais c'est vrai que même les gens s'intéressent parce qu'il y a très peu de gens qui partent en voyage à vélo. Quoique maintenant, ça commence à se démocratiser. Ça commence vraiment à se démocratiser, oui. Après le Covid, je pense que tout le monde avait envie de voir du vert, de voir du pays et pas forcément aller loin, mais voyager différemment. Et c'est vrai que c'est top le vélo pour ça, les rencontres ça se fait assez facilement, enfin moi je trouve en tous les cas et même entre cyclistes, ça c'est aussi ça c'est bien, ça c'est entre, alors moi en tous les cas entre vélo électrique ou vélo non électrique, enfin musculaire, moi je fais pas de là-dessus aucune différence, l'essentiel c'est de se faire plaisir, bien évidemment en connaissant ses limites, en respectant les autres. Et puis l'essentiel, c'est d'arriver et prendre le temps qu'il faut pour être en un seul morceau, surtout. Oui, c'est surtout ça. Et voyager avec un casque. Oui. Essentiel. Ça oui, sauve la vie. On en croise beaucoup voilà. Trop sans casque, et surtout les enfants. Oui. On le rappellera quand même que jusqu'à l'âge de 12 ans, le casque est obligatoire. Exactement, exactement. Voilà. Moi, en tous les cas, ça m'a sauvé la vie. Hein. Vu l'état du casque l'année dernière... Le casque, le pompier m'a dit heureusement vous aviez ça parce que sinon vous seriez plus là. Oui, ben non, c'est bien, hein. Je suis encore là et je veux faire d'autres voyages à vélo, donc voilà. Mais ouais, le casque, essentiel. Oui, c'est ça. Là, c'est un étage de sécurité. T'as été victime d'un accrochage dans un rond-point, je crois, oui, avec un refus de priorité, ça. C'est ça? Oui, c'est ça. En fait, il y a un automobiliste qui m'a embarqué dans sa route. En tournant à droite, et alors que j'avais une voie, j'étais sur la voie cyclable, hein, voilà, à l'intérieur du rond-point. Voilà. Donc, voilà. Donc, on incite toujours à la plus grande prudence. Hein. Généralement, sur la route, on rattrape les erreurs des autres. Hein. Donc, toujours anticiper, voilà. C'est pas grave si vous allez être en retard au camping, c'est pas grave la sécurité d'abord. C'est ça, exactement. Alors, écoute, je pense que on a fait le tour du sujet, rouler pour une asso, tu
peux résumer ton expérience de rouler pour une asso? Est-ce que ceux qui voudraient, par exemple, se lancer dans ce type de projet, mettre en avant une association, est-ce que c'est compliqué de contacter une association pour leur dire je lance une cagnotte pour vous et ou je fais un défi sportif ou je saute à l'élastique ou n'importe, hein. Est-ce que c'est un processus qui est compliqué? Parce que ça aussi, ça peut faire peur à des gens de dire ils ont envie de le faire, mais ah, la paperasse ou. Alors, en fait, généralement, les associations, alors là, je parle de Rose Up, hein, mais eux, ils ont déjà des choses toutes faites qui sont extrêmement faciles à mettre en place. Il y a quelques petites cases à remplir, et après, une fois lancé, vous le diffusez où vous voulez. Si vous n'êtes pas réseau, vous pouvez envoyer par téléphone à vos amis, à votre famille. Enfin, voilà, on communique comme on l'a envie. Mais c'est vraiment facile, ça facilite. Moi, je sais que les dons sont versés directement, donc moi, je ne gère rien. Tout ce qui est après don fiscal, ce que chaque personne fait, bah, chacun en fait reçoit un don directement par mail. Donc, pour ma part, c'est extrêmement facile, vraiment, ça facilite, vraiment. Ouais, Donc, donc voilà. maintenant on est dans une époque où c'est beaucoup plus facilité de faire quelque chose pour une asso. Oui, je trouve. En tous les cas, ils ont déjà des choses faites, toutes faites, toutes faites, et facile à trouver, même sur leur site internet. Sans les appeler, c'est très bien fait. Après, ben, il faut prendre contact avec eux. Hop, c'est tout de téléphone, et puis ça va vite, hein, ça va vite. Après, moi, en tous les cas, je leur ai demandé s'il était possible d'avoir un petit drapeau, un petit auréflamme, quelque chose pour qu'on soit un peu plus visible. Et ce qui permet vraiment d'approcher les gens différemment et plus par ce biais-là. Donc voilà, mais non, je suis partie aussi pour la première année où je suis partie, j'étais partie pour une autre asso. Alors, j'avais pas mis de cagnotte, mais c'est vrai d'avoir l'oriflamme, enfin le petit drapeau qui rappelle. Voilà, on parle de l'asso, j'avais des petits flyers. En fait, à l'époque, j'avais des flyers, c'était différent. Et puis s'ils avaient envie de faire un don à l'asso, ils pouvaient le faire quand bon leur semblait. Après, voilà, suivant l'envie de chacun, voilà. Bah, c'est super. Bah, j'incite nos auditeurs. Si vous avez l'occasion de rouler pour une asso, comme l'a dit Séverine, juste, même si vous ouvrez pas de cagnotte, juste en parler aux gens que vous croisez, ça peut peut-être amener, bah, comme on l'a dit, hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Même 1 euro, ça peut partir d'un euro et finir à 10 000 euros et après peut-être à aider à guérir totalement une maladie. Donc, je vous incite grandement à le faire si vous le souhaitez. Exactement. Ben écoute Séverine, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Ben merci pour ton message surtout. Merci de faire ce que tu fais hein, pour l'association. Et puis bah merci aussi bah, de le diffuser. D'ailleurs, je mettrai le lien de ta page Facebook 1000 km cyclo pour Rose Up. Voilà. Donc si vous voulez suivre les aventures de Séverine à vélo et de ses voyages et de ses péripéties, ses aventures, tout ça, bah, ça se passera sur sa page Facebook. Très gentil. Merci, merci, merci. De rien, c'est moi. Et puis bah continue. Voilà. T'es une belle personne et change rien. Tant qu'il y a les jambes, tout va bien. Et donc, en avant pour de nouvelles aventures. Voilà. Eh bien, je viens vous remercier, vous, la communauté, d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous serez nombreux à le partager, à le commenter et à le liker. Et puis, on vous dit à la prochaine pour un prochain podcast, prochain sujet. À bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tchuss les cyclopathes. Tchuss Séverine. À bientôt.